Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment changer le filtre d'habitacle sur sa Mercedes classe A W176. Vous voyez celles qui sont comme ça. Donc en fait le filtre il se trouve en dessous la boîte à gants. Donc ce qu'il faut faire, alors dans une première partie, pour commencer, alors vous devez tirer en fait, vous voyez le tapis, donc vous le mettez comme ceci. Et en fait le filtre il va se trouver là en fait. Vous voyez, là attendez, je vais mettre la petite lampe comme ça. Si je peux la mettre comme ça, vous voyez, en fait ça se trouve là. Donc ce qu'il faut faire, c'est que. Voilà, alors. Moi, je vais mettre comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous voyez, en fait, ça tient pas. Il y a deux petites languettes à enlever. Donc il faut les tirer vers nous en fait. Voilà, comme ceci, et après vous l'enlevez. Vous voyez en fait les languettes en haut, elles sont comme ça, donc vous les déclipsez par là et par là. Voilà, donc ça, une fois que c'est enlevé, vous avez juste à tirer en fait le filtre. Donc. Là il est un peu dur à enlever. Voilà, donc une fois qu'il est enlevé, bah, vous prenez le nouveau. Ouais, jusqu'ici il n'y a rien de compliqué hein. Après, tout le monde peut le faire, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez le nouveau et vous voyez, vous regardez comment l'ancien il était mis. Donc là le petit côté, vous prenez le même côté, le petit côté, et on va mettre le nouveau. Donc ça, moi perso, je vous conseille de le changer tous les, peut-être pas tous les 10 000, mais de le changer tous les 20 30 000, c'est bien. Surtout si vous habitez à Paris ou alors dans des grandes villes, c'est bien de le changer assez régulièrement. Donc je repose la caméra et là on va aller le remettre. Par contre, vous voyez, c'est pas que c'est compliqué à changer, c'est que c'est un peu galère parce que l'endroit où il est. Voilà, donc là il est bien mis. Après on reprend le petit cache et on va aller le reclipser. Ce que je ferai, c'est que je ferai une autre vidéo pour vous montrer en fait comment nettoyer la clim. Voilà. Donc une fois que c'est bien clipsé, vous regardez. Là, je reprends, je vous fais voir. Donc vous voyez, c'est bien les petits clips là. Et en haut, voilà. Donc une fois qu'il est bien mis, vous regardez si vous avez bien clipsé tout, vous remettez le tapis et voilà, vous voyez, c'était aussi simple que ça. Voilà, on remet bien le tapis et voilà, c'était ça. Voilà, c'était comme ça pour changer un filtre d'habitacle sur Mercedes W176. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi je vous dis, je vais acheter un désinfectant, je vais nettoyer en fait tout l'intérieur de la clim pour enlever toutes les bactéries. Sachant, c'est ça, c'est quand vous avez des odeurs ou autre. Donc je ferai une autre vidéo là-dessus et je vous montrerai ça. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!